Allora. Bonsoir à tous et bienvenue à ce meeting, à cette rencontre. Une rencontre avec laquelle on voulait commencer avec une petite vidéo, mais on a eu des problèmes et donc on ne peut pas le montrer pour l'instant. Et on veut commencer donc avec une expérience. C'est une chose un peu folle et tout le monde a son smartphone avec soi. Prenez-le et composez sur Google boule. Bolle balla robot video. Roberto Bolle, Bolle balla BA2LA video. C'est une expérience un peu suicidaire parce que mettre les gens devant un smartphone tout de suite, c'est un peu quelque chose avec des effets un peu dérangeants, difficiles, mais peut-être quelques femmes ou quelqu'un dans la salle a compris de ce qu'on parle. Je suis en train de vous faire montrer une petite vidéo d'un grand danseur, Roberto Bolle, qui a fait dans une transmission télévisée italienne. Et on peut voir Roberto Bolle qui danse avec un robot dans cette vidéo. Jetez un œil et vous allez tout de suite comprendre pourquoi on vous a demandé de le voir maintenant. Il y a quelque chose de charmant dans ces mouvements de Roberto Bolle, mais aussi quelque chose d'inquiétant, quelque chose qui nous touche, quelque chose qui peut-être aussi nous dérange. Et l'expérience est intéressante parce que c'est fascinant, mais à la fois inquiétant. Et même l'idée que tous ensemble, mais chacun par soi-même, utilise la technologie en regardant cette vidéo, et on regarde la même chose, mais chacun par soi-même. C'est quelque chose de très fascinant, si on y pense, mais c'est inquiétant à la fois. Si on se détache de la vidéo des balles, et je le demande surtout aux femmes dans la salle, et ne vous attachez pas à Facebook, dont c'est le risque de ce moment, et si on revient à la raison de cette rencontre, on comprend pourquoi on veut faire cette liaison entre cette chose fascinante et cette inquiétude. C'est quelque chose qui caractérise cette rencontre. C'est quelque chose qui est au rapport avec notre technologie, qui est vraiment importante dans notre vie. Et on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle et de facteurs humains. Et l'intelligence artificielle, et je dirais aussi sa combinaison avec d'autres secteurs de la science, des sciences, si on parle de neurosciences ou biotechnologie, est devenue tellement invasive dans notre vie. Et elle est tellement liée dans les sciences qui nous offrent et cela rend encore plus réelle des choses qui auparavant n'étaient pas encore possibles en dehors de notre imagination, de notre imaginaire. Les algorithmes ou les machines ne font pas que des choses à notre place parce que le robot existe déjà depuis quelques temps, mais pas seulement ils font des choses à notre place, pardon. Mais ils décident aussi des choses. En plus, quelqu'un pense qu'il pense des choses à notre place. On délègue les machines, les robots, avec des décisions qu'on devrait prendre nous, pour des choses banales comme les GPS, par exemple, pour des choses aussi plus importantes et pas seulement comme les réseaux sociaux. Mais par exemple aussi, on les utilise pour les entretiens d'embauche, pour les plus grandes entreprises, ou bien pour les assurances. Ce qu'on paye, peut-être, ça dépend d'un algorithme. Dans les États-Unis, par exemple, dans beaucoup d'États, on utilise des softwares pour calculer les probabilités de récidive et suggérer aux juges
la peine à infliger à la personne accusée, à l'accusé. Il y a beaucoup de questions autour de cela, jusqu'aux extrêmes. Parce qu'il y a des gens qui commencent à théoriser quelque chose qui commence à être toujours plus possible, toujours plus près de nous. Parce que cette extension de la capacité humaine, cette progressive utilisation des limites et d'espace du temps est infinie. Elle peut arriver à passer, à dépasser des barrières qu'on a depuis toujours. Par exemple, non seulement l'homme pourra utiliser des technologies qui vont nous dépasser nous, à nous-mêmes aussi, mais l'homme devra s'intégrer avec cette machine pour donner plus de puissance à notre humanité. Ces choses-là qui peuvent sembler folles, et en partie elles le sont, et après on va entendre des exemples, mais en pensant que notre connaissance peut être extraite de notre cerveau et le télécharger et le charger dans d'autres supports, c'est une chose qui peut sembler folle. Et c'est quelque chose qui est vraiment folle un peu. Mais on y travaille là. Et les grandes entreprises investissent beaucoup de milliards pour le créer. Ce sont des choses qui ne sont pas seulement réelles, mais ils sont quelque chose de réel dedans. Et ils naissent d'un désir qui nous appartient depuis toujours. Et c'est le désir de dépasser nos limites, de pouvoir faire en sorte que la condition humaine, la fragilité dont on est créé, puisse être gagnée, vaincue. Ce désir, l'homme l'a depuis toujours. Mais la grande différence, c'est que maintenant, à présent, cela semble encore plus près de nous qu'avant, qu'auparavant. On pourrait penser qu'on pourra vivre plusieurs années, une centaine d'années. Et le problème qu'il y a au fond de cela, c'est un problème qui est vraiment à côté de nous, parce que cela consiste dans notre besoin, dans notre fragilité, dans notre désir. C'est pour cela que la rencontre, c'est sur le facteur humain dans l'intelligence artificielle, et c'est pour cela qu'on a invité Daniele Megazzini à ma gauche, et dont je demande un applaudissement, s'il vous plaît. Il enseigne et étudie l'intelligence artificielle. Il étudie aussi. Il étudie ce thème au King's College London. C'est une université de Londres. Je ne vais pas lire tout ce qu'il fait, mais c'est un professeur associé au King's College et c'est sa matière à lui. Et ça a été l'input pour inviter Mark O'Connell, qu'on a ici avec nous. Il est irlandais, il vient de Dublin. Et il a fait ce voyage étrange et il a écrit un livre pour être une machine. C'est un voyage dans les positions les plus extrêmes liées à ces thèmes. Le transhumanisme entre parmi théorie, réalité et personnages qui soutiennent, qui théorisent et qui travaillent à ce dépassement de l'homme à travers la technologie. Et ce serait intéressant de voir à quel point le voyage est arrivé. L'autre invité, on le connaît depuis longtemps parce qu'il fait partie du meeting depuis longtemps, et c'est Costantino Esposito. Un professeur titulaire d'histoire de la philosophie à l'université de Bari, avec lequel on essaiera d'explorer les questions de ces thèmes dont on parle. Mais je voudrais vraiment commencer avec l'intervention du professeur Megazzini, auquel on pose une question vraiment importante, parce qu'on lui demande de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle. Essayons de reconstruire un peu le contexte, et vous allez comprendre qu'à travers un quart d'heure, 20 minutes, ce n'est pas facile, mais on va essayer de le faire quand même, et on va essayer de prendre ce goût-là. Merci et bonsoir à tous. Je remercie le meeting de son invitation.
Je vous remercie tous, vous qui êtes présents. Et je voudrais commencer, avant de répondre à la question, par une introduction. J'ai été invité ici aujourd'hui en tant qu'expert d'intelligence artificielle. En effet, avec mes étudiants et l'ensemble de mon équipe, chaque jour, je travaille pour développer de nouvelles techniques d'intelligence artificielle, AI en anglais. Donc ce travail est ma grande passion, j'en vis et je crois en être un expert. Pourtant, et c'est ce que je voulais dire en préalable, plus je progresse dans ma recherche sur l'intelligence artificielle, plus grandit en moi l'émerveillement pour l'intelligence humaine, pour tout ce dont l'intelligence humaine est dotée. En effet, tout ce que la personnalité humaine est capable de faire, l'intelligence artificielle cherche d'en être une analogie pâle, parfois très efficace, mais cela reste une analogie. Et c'est cela qui guide en quelque sorte ma recherche. Et c'est pour cela que le titre de la rencontre m'a fascinée et j'ai accepté de bon gré de participer. Donc j'ai la tâche ingrate de vous dire en 15 minutes ce qu'est l'intelligence artificielle, un thème dont on parle beaucoup, et je crois qu'il est important de proposer un regard réaliste de ce que c'est que l'intelligence artificielle, l'IA. Comme je suis obligée d'être synthétique et que cette rencontre est de nature divulgatrice, je vais essayer de dire des choses simples sur l'intelligence artificielle. Mais je crois que ce que je vais dire va être utile pour vous donner à tous une idée de ce dont nous parlons lorsque nous parlons de IA. Je vais commencer par une citation. Je demande qu'on affiche. Selon laquelle l'intelligence artificielle est comparable à ce qui se passe avec la diffusion de l'électricité. Parce que d'un côté, avec l'électricité, comme avec l'électricité, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, grandit énormément la capacité de l'homme d'interagir avec la réalité. Il faut penser à la facilité qu'on a pour accéder à des informations ou pour communiquer. En même temps, et David le disait aussi, comme avec l'électricité, avec l'intelligence artificielle, on a quelque chose que l'on utilise constamment et de manière souvent inconsciente, sans même s'en apercevoir. Je suis certain que si je cite l'IA ou la technologie, vous pensez tous à l'un ou plusieurs de ces produits. Ces produits qui s'affichent là. Donc ces produits ont en commun le fait qu'ils permettent d'accéder aux informations, mais cet accès à l'information est permis grâce à l'intelligence artificielle. Comme le disait David, lorsque vous faites une recherche sur Internet ou lorsque vous utilisez les réseaux sociaux, vous le faites à travers, par le biais de l'intelligence artificielle. L'autre chose que ces produits ont en commun, c'est qu'ils sont gratuits. Mais si le produit est gratuit, cela veut dire que c'est nous qui sommes le produit. À travers toutes les données que nous proposons, que nous donnons, ces compagnies, ces sociétés les utilisent pour faire des affaires, par exemple à travers la publicité, etc. Je le cite pour que nous soyons plus conscients de ce qu'implique notre interaction avec la technologie. L'intelligence artificielle travaille principalement de deux manières. Je vais être un peu technique, excusez-moi. La première matière se fonde sur les modèles. Le modèle ici est donné par l'échiquier et la manière dont on peut jouer les pions. L'intelligence artificielle considère l'ensemble des manières possibles d'évoluer, de faire évoluer ce système pour choisir la meilleure. Si vous y pensez, nous passons notre temps à faire cela, c'est la planification. Mais ce que l'IA essaye de faire, c'est de faire d'un côté énormément d'opérations en très peu de temps, et de l'autre côté, comme il est impossible de prendre en compte toutes les possibilités, comprendre quelles sont les plus prometteuses et essayer de les analyser en priorité. Un exemple quotidien du jeu d'échecs, c'est Google Maps. Je crois que nous l'utilisons presque quotidiennement. Ici, le modèle est donné par le réseau urbain et l'intelligence artificielle essaye de trouver la meilleure manière d'atteindre une certaine destination. Cette même approche est utilisée dans la robotique. Voilà une vidéo très célèbre de Boston Dynamics. En tant que scientifique, je dis que ces vidéos
sont assez extraordinaires parce qu'elles décrivent un progrès qui a été fait dans la robotique dans lequel on a un robot, des robots qui réalisent des opérations qui sont très complexes en réalisant des actions typiquement humaines. Mais il y a un aspect qu'il est important d'éclairer et que l'on ne pourrait ne pas voir dans cette vidéo, c'est que tous ces robots exécutent des tâches qui sont dictées par les hommes. Donc l'autonomie de ces robots consiste à réaliser des opérations comme prendre un paquet, mais l'objectif, le but, est donné par l'homme. C'est très important parce qu'autrement, l'homme, en regardant cette vidéo, pense à des scénarios du type de Terminator ou la peur que les robots prennent le dessus sur l'humain. Non, la capacité de prendre des initiatives et de se donner des tâches ne vient pas de l'intelligence artificielle, mais de l'homme. Donc je pense qu'il faut être réaliste sur ce que l'on peut percevoir à partir de certaines vidéos. Bien entendu, on a fait beaucoup de progrès dans le fait de conduire des véhicules de manière automatique. Bien sûr, il y a un problème de facteur humain en quelque sorte, parce que même si la technologie est prête ou sera prête prochainement, il y a un aspect lié à la confiance que les personnes devront avoir avant de pouvoir s'asseoir et lire le journal dans une voiture. Je pense qu'il faudra plus de temps pour cela que le progrès technologique en lui-même, sans parler des implications légales, culturelles, etc. L'autre grande approche logique de l'intelligence artificielle qui est très importante dans ces dernières années est celle qui se fonde sur les réseaux neuronaux, dans lequel l'objectif est, par analogie, d'essayer de simuler ce que font les hommes en utilisant les réseaux neuronaux du cerveau. Et il y a une partie du meeting qui est consacrée à ça. Je simplifie ici pour vous donner les éléments essentiels. Il y a d'énormes bases de données, par exemple les images, par exemple la reconnaissance d'images. Donc il y a des ensembles énormes d'images qui sont déjà étiquetées. Donc, par exemple, des millions d'exemples de véhicules, des millions de photographies de chats ou de chiens. Et on entraîne ce code qui constitue la pupille de l'œil à partir de tous ces exemples. Donc, lorsque l'on présente une image nouvelle, le réseau neuronal est capable d'identifier un véhicule, un chat ou un chien. Donc, pour résumer de façon extrême, les réseaux neuronaux de l'intelligence humaine fonctionnent comme cela. Donc il faut entraîner ces codes pour faire en utilisant une énorme quantité de données. Donc la puissance numérale a énormément augmenté ces dernières années et donc il y a énormément de données, y compris ce que nous donnons nous-mêmes, beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Il y a des applications de ces réseaux neuronaux dans différents domaines. En premier lieu, le domaine médical. Il y a différents systèmes qui utilisent les réseaux neuronaux pour le diagnostic d'images médicales, jusqu'à la reconnaissance faciale que l'on trouve sur les réseaux sociaux ou dans le domaine de sécurité, et jusqu'au traducteur de Google. Je ne sais pas si vous avez déjà demandé comment cela fonctionne, mais là aussi, il y a des milliers d'exemples de dialogues qui sont enregistrés et le réseau apprend à partir de là et devient capable de traduire de nouvelles phrases. Ce que vous voyez ici, à gauche, vous voyez l'image d'un cheval véritable, à droite, l'image d'un faux zèbre. Ce qui a été fait est de reproduire le mouvement. Donc à droite, c'est une fausse vidéo. Je le dis parce que tout le monde se préoccupe des fake news, des fausses informations. Mais on en est à se poser la question des fake artifacts, c'est-à-dire des éléments créés par l'intelligence artificielle. Cela a été fait aussi sur l'homme. Je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais on a créé des vidéos artificielles d'hommes. J'utilise ces images. Pour ceux qui connaissent un peu le domaine de l'intelligence artificielle, on peut reconnaître qu'il s'agit d'un élément essentiel de l'intelligence artificielle. C'est la scène d'un algorithme d'intelligence artificielle que l'on appelle AlphaGo, qui bat le champion mondial de Go. C'est un jeu extrêmement complexe, beaucoup plus que les échecs. Et dans la communauté scientifique, tout le monde avait prévu qu'il faudrait des décennies pour qu'un ordinateur soit capable de bien jouer à ce jeu. Mais il y a 3 ans, AlphaGo a battu
le champion mondial de Go. Et je vous assure que cette nouvelle a eu un écho énorme sur le plan médiatique, dans la communauté scientifique et en dehors, parce que cela constitue véritablement un élément essentiel. À chaque fois que j'ai l'occasion de parler dans des manifestations de ce type, je montre cette diapositive qui montre ce qu'il y a derrière l'algorithme et ce qu'il y a derrière Seedol, qui est le champion mondial, qui est coréen, de Go. Derrière l'algorithme d'AlphaGo, il y a des milliers de processeurs, plus de 100 scientifiques et des années d'entraînement. Derrière l'Seedol, il y a un seul cerveau et une tasse de café. Et en plus, il faut le souligner aussi, AlphaGo, l'algorithme, c'est seulement jouer à Go, il ne sait rien faire d'autre. Même si on ajoute une ligne à l'échiquier, dans ce cas-là, AlphaGo ne sait plus par où commencer. L'Seedol, lui, c'est un homme qui sait jouer à Go, mais il sait aussi conduire une voiture, il sait faire la cuisine, il sait aimer ses enfants, il sait parler différentes langues. Bref, entre les deux cerveaux, celui qui me fascine le plus, c'est le cerveau humain entre les deux. C'est une expérience, celle-ci, qui a été faite récemment. On a demandé à un réseau neuronal qui devait reconnaître différents animaux de classer les images. Et 57% de faisabilité, de 50% de certitude que c'était un panda. Ce qui a été fait ensuite, ça a été d'introduire avec des pixels, modifier l'image d'un pixel, un seul pixel. Et le même réseau neuronal face à cette image modifiée seulement avec un pixel, à 99%, a dit qu'il s'agissait d'un gibbon. Voici ce qu'est un gibbon. Je le dis parce que c'est important aussi pour respecter ce que fait la science et ce qu'elle ne fait pas. C'est une limite importante de l'intelligence artificielle. En particulier, ce n'est pas clair. On ne comprend pas bien pourquoi les algorithmes de l'intelligence artificielle se comportent d'une certaine manière. On n'a pas ici l'explication de savoir pourquoi on reconnaissait un panda dans le premier cas et un gibbon dans le deuxième. En termes techniques, on dit que l'IA est une boîte noire. Elle ne donne pas ses raisons. Et ça, c'est important parce que si je demande à une personne qui me suggère quelque chose pourquoi elle me le suggère, elle peut m'en donner les raisons. Et cela, l'intelligence artificielle ne peut pas le faire. Voilà pourquoi, dans l'intelligence artificielle, se développe beaucoup une aire de recherche particulière qui est l'explainable intelligence artificielle, c'est-à-dire développer des techniques qui peuvent expliquer les suggestions faites par l'intelligence artificielle. En dehors de ça, il y a une forte limite de l'IA. Ce serait intéressant de vous demander combien d'entre vous connaissent ces personnes. En réalité, ces trois personnes n'existent pas. Ce sont des visages créés par l'intelligence artificielle. D'ailleurs, pour poursuivre l'exercice suggéré par Davide, si vous suivez ce site web, This Person Doesn't Exist, vous verrez que réaliser des visages de personnes qui n'existent pas. Et je vais terminer, ne t'inquiète pas, je le dis pour approfondir un peu cette question. Dans beaucoup de personnes dans la communauté scientifique décrivent ce résultat comme un point de créativité de l'intelligence artificielle. Le fait que l'IA peut être capable de créer et de penser. D'un certain point de vue, je peux être d'accord. Mais je voudrais aussi être un peu provocateur dans un domaine. Il y a un point irréductible en l'homme que n'a pas l'intelligence artificielle. C'est celui de l'intuition. Parce que l'IA peut travailler soit parce qu'elle est programmée pour faire quelque chose, soit parce qu'elle apprend à partir d'une foule d'exemples. L'intuition ne naît pas seulement de là. Bien sûr, l'intuition humaine, par exemple, quand une idée nous vient, elle dépend de ce que l'on a vécu, de ce que l'on a vu, mais ce n'est pas seulement cela. L'intuition, c'est presque une reconnaissance, en quelque sorte, une surprise du lien entre ce qu'on a entre les mains et quelque chose qui nous vient à l'esprit. Et cela, l'IA ne l'a pas. Et c'est important de maintenir ce respect envers le cerveau humain et la personne humaine par rapport à ce que fait l'IA. Je m'avance vers ma conclusion avec les deux dernières diapositives. Donc la première, c'est Facebook et le whisky. Un de mes chers amis
a fait carrière dans une des sociétés que j'ai montrées tout à l'heure. Nous nous rencontrons parfois à Londres. Et une des dernières fois, le discours a porté sur le fait que la technologie est en soi neutre. Il soutenait que la technologie, l'intelligence artificielle, est neutre. Et je ne suis pas d'accord. Je pense que je ne le suis pas. À table, il y avait cette bouteille de whisky et les smartphones. Et lui, il a dit, tu vois, par exemple, Facebook, c'est comme ce whisky. En soi, il est neutre. C'est toi qui décides si tu veux bien l'utiliser ou mal. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Parce qu'entre Facebook et le whisky, il y a au moins trois différences. Au moins trois. La première, c'est que, comme il s'agit ici d'un bon whisky, si tu veux acheter une bonne bouteille, tu dois dépenser beaucoup. Alors qu'utiliser Facebook, c'est gratuit. Deuxième différence, si je bois une bouteille de whisky, je m'effondre par terre. Et je peux utiliser Facebook pendant 20 heures sans voir, en apparence, les dégâts que cela fait. Et puis, si je bois du whisky, celui qui est à côté de moi s'aperçoit que j'ai bu. Et personne, au contraire, va me demander le temps que j'ai passé sur Facebook. Donc, pour ces trois différences déjà, je pense que la personne humaine est très vulnérable face au choix de bien ou mal utiliser, par exemple, les réseaux sociaux. C'est comme si l'homme était un peu faible, comme s'il n'était pas prêt. Et je dis cela parce que c'est un peu une prétention de dire « l'important, c'est comment on utilise les choses ». Non, je vais utiliser une citation. Le développement aussi rapide de la science, s'il ne correspond pas à un développement aussi rapide de la conscience, il me semble évident qu'il est difficile d'avoir un rapport ordonné, par exemple, avec les réseaux sociaux, si bien que la curiosité ou l'exhibition de ce que l'on fait devient souvent morbide, ou bien la difficulté que nous avons à ne pas poser le téléphone sur la table lorsque nous sommes au dîner au lieu d'écouter les autres. Je ne veux pas criminaliser l'IA. Je veux simplement dire que c'est un domaine dans lequel il faut faire attention à la forme de relation que nous avons, par exemple, avec les réseaux sociaux. J'en viens à ma dernière diapositive. Daniel, c'est le commandant. Souvent, pour des raisons de travail, j'ai eu l'occasion d'entrer dans la cabine de pilotage de l'avion et j'ai posé enfin une question au pilote que j'avais depuis longtemps. Je ne sais pas si vous le savez, mais au cours d'un vol en avion, le pilote ne contrôle que 3% du vol, presque rien. Mais ces 3% comprennent l'atterrissage. Donc, quelques minutes avant d'atterrir, le pilote désactive le pilote automatique et prend le contrôle manuel de l'avion. Alors, j'ai posé cette question au commandant. Comment cela se fait-il que vous assumez la responsabilité, que vous prenez le risque de faire atterrir manuellement l'avion ? Parce que le pilote automatique saurait très bien faire atterrir un avion, mais les pilotes prennent le risque de l'atterrissage manuel. Et le pilote m'a répondu de manière très intéressante, parce que nous avons besoin de rester entraînés. Parce qu'autrement, le jour où, pour quelque raison que ce soit, le pilote automatique ne fonctionnera pas, nous ne saurons plus comment faire atterrir un avion. Voilà. Cela m'a beaucoup frappée parce que je continue à y penser souvent dans ma recherche, mais aussi dans la vie. Parce que je crois que nous devrions suivre le conseil du commandant dans beaucoup d'aspects de notre vie. Nous devrions rester entraînés sur beaucoup de choses que nous oublions. Pensons par exemple au rapport que nous avons sur le fait de se rappeler les choses par cœur, ou la capacité à faire des calculs, ou bien l'orientation. Comment ferions-nous sans navigateur? Je crois qu'il faut continuer de nous entraîner sur ces points-là. Au point 2, permettez-moi de le dire en conclusion, parce que le meeting en est un exemple éclatant, au point que nous devrions entraîner le goût des relations humaines, des liens, de l'amitié réelle, qui est faite de gestes, de paroles, d'affection, et même de bons repas pris ensemble. Paradoxalement, face à une croissance aussi rapide de l'intelligence artificielle, cela peut sembler un paradoxe, mais l'une des choses qui me paraissent les plus urgentes, c'est de garder vivant le goût des relations humaines, des rapports naturels. Et je crois que nous avons en cela une grande responsabilité de rester entraînés
Et au fond, c'est une responsabilité éducative fascinante qui nous met tous en jeu. Je conclue là et je vous remercie pour votre attention. Marco Cornell, par contre, il a fait un voyage dans un monde qui, de ceux qui pensent que ce 3% serait superflu, dépassable, et ce serait vraiment juste de le dépasser. Parce que pour que l'humain puisse déborder dans des frontières qu'il n'a jamais vues. Son livre a été un voyage dans le transhumanisme, c'est-à-dire un humanisme qui nous attend. Selon les prophètes de cette technologie. Pas de whisky, pas de café, mais il y aura ceux que Marco Cornell nous racontera. On l'a invité parce que ses positions, dans cette extrême position, nous montrent encore plus, de manière plus nette, la question qui est encore plus. Comme on le voyait déjà à travers Daniele Magazzini. Et je veux demander à Marco son voyage dans le monde du transhumanisme. Merci beaucoup. Mon livre, Être une machine, parle de personnes qui sont connues en tant que transhumanistes et qui pensent que l'on peut utiliser la technologie pour aller au-delà des limites de la condition humaine et que l'avenir de l'humanité prévoit également une amélioration des éléments du corps à travers des implants que l'on peut transférer de l'humain aux machines en le confondant avec l'intelligence artificielle pour nous faire devenir ensuite des êtres avec des pouvoirs presque infinis. Mais avant de continuer à parler de cette réalité presque utopique et étrange, et avant d'approfondir ce thème et sa vision du futur, de l'avenir de l'humanité, j'aimerais expliquer comment je suis arrivée à ce thème et comment j'ai commencé à l'étudier. Je ne me considère pas comme un auteur scientifique. J'ai un doctorat en littérature anglaise et ma formation est celle d'un critique littéraire. Je me suis toujours beaucoup intéressée à l'art, à la technologie, et j'essaye d'arriver à la racine de l'étrangeté de l'être humain, en particulier la source existentielle d'anxiété face à notre mortalité. Et j'ai toujours été obsédée par l'histoire biblique de la chute, qui pour moi est un récit poétique incroyablement riche et profond de notre étrangeté par rapport à nous-mêmes, de notre incapacité à nous accepter nous-mêmes en tant qu'animaux que nous sommes. Le centre psychologique de l'histoire pour moi est le concept que nous ne devrions pas être tels que nous sommes, que nous devrions être dispensés de la souffrance, de la mort, de la fragilité humaine, et que c'est nous qui avons porté cette condition comme une punition. Ce qui m'a fascinée, c'est l'idée de nos limites humaines, de notre nature, comme quelque chose que l'on peut transcender. Cette incapacité de nous réconcilier nous-mêmes par rapport aux éléments irréductibles de notre humanité a toujours été un aspect important, très important, qui définit la condition humaine. Quand mon fils est né il y a presque 6 ans, j'ai beaucoup pensé à tout cela. L'expérience de voir ma femme accoucher et d'être en partie responsable de l'existence et le bien-être dans le temps de ce si petit être humain, si fragile, m'a conduit à être presque obsédée par le thème de la mortalité, de la fragilité. Et c'est pour cela que j'ai commencé à lire énormément sur ce mouvement du transhumanisme qui offre une issue par rapport à la fragilité, à la mortalité, pour transcender notre condition à travers la technologie. Au début, ça m'a beaucoup fascinée parce qu'il me semblait que cela venait du même mal-être existentiel face à la condition humaine qui sous-tend l'histoire judéo-chrétienne de la chute et que c'était aussi le fondement de ma préoccupation sur ce sujet. Ce voyage m'a amenée dans des lieux étranges, à des rencontres avec des personnes étranges. Et le livre lui-même a eu une genèse particulière dans un contexte de solidarité. Je n'aimais pas le but des transhumanistes, mais j'ai compris d'où ils venaient. Et donc, j'ai voyagé pendant environ 2 ans en Europe, aux États-Unis. J'ai participé à leurs rencontres, j'ai connu des personnes. Parfois, je me suis confrontée avec des idées inquiétantes.
et des études sur la technologie qui font croire que cela est possible. Comme vous pouvez le penser, j'ai rencontré des personnes très excentriques, très étranges dans ce voyage. Mais ce mouvement et ces idées se sont très bien enracinés, notamment dans la Silicon Valley, que vous y croyez ou non. C'est presque le cœur fondamental de notre culture. Certains exemples de haut profil concernent par exemple les fondateurs de Google qui, en 2014, ont créé un laboratoire de recherche biotechnologique que l'on appelle Calico Laboratory, qui essaye de trouver des solutions face au problème du vieillissement humain. Peter Thiel, un capitaliste milliardaire qui a cofondé PayPal, a investi énormément d'argent pour arriver à l'immortalité à travers la technologie. Beaucoup de personnes et de projets que j'ai rencontrés dans mon livre ont été fondés par l'une ou l'autre des ramifications de Thiel. Elon Musk, qui est un des anciens collègues à PayPal de Thiel, a parlé de sa conviction du fait que l'intelligence artificielle permettra de nous considérer obsolètes en tant qu'espèce et que l'intelligence artificielle se développera au-dessus de nous comme nous-mêmes nous nous sommes développés au-dessus des primates inférieurs. Donc c'est une sorte de manière de mettre entre nos mains l'évolution et de développer le pouvoir de l'interface entre hommes et machines avec l'intelligence artificielle. Dans une interview, Musk a parlé d'une nouvelle société, Neuralink, qui veut atteindre cet objectif. L'objectif ultime qu'il veut atteindre, c'est celui de créer ce qu'il appelle une cognition surhumaine. Il n'a pas parlé de coûts, d'argent, mais certainement ce sera pour ceux qui peuvent se le permettre. Ce sont des thèmes très intéressants. Les transhumanistes parlent de technologies futuristes comme de quelque chose qui marquera une transformation existentielle de l'espèce dans son ensemble. Mais nous pouvons également penser que cela ne sera que pour un certain groupe de personnes. Quel monde cela sera-t-il? Seulement certaines personnes ultra riches pourront transcender l'humanité et nous laisser tous engloutis dans un état de régression biologique. Lorsque j'écrivais le livre, il y a eu un moment où j'ai pensé que lorsqu'on parlait d'avenir, le transhumanisme présentait en réalité des choses qui sont déjà à l'œuvre dans ce monde. L'une de mes premières rencontres avec le transhumanisme en tant que reporter a eu lieu lors d'une visite dans la banlieue de Phoenix, un lieu qui s'appelle Alcor Life Extension Foundation, qui est un lieu, une des installations cryogéniques les plus importantes du monde. Le cryogénisme est une pseudo-science, de façon précise, qui a pour but de préserver les corps humains récemment morts dans le but de les décongeler à un moment de l'humanité, peut-être dans 50 ans ou dans 500 ans, lorsque le progrès technologique se sera suffisamment développé pour pouvoir ramener à la vie ces corps préservés. Lorsque j'ai fait cette visite, on m'a conduit dans une certaine tour, et j'ai été dans un endroit cryogénique stérile où les personnes récemment mortes, que l'on appelle des patients et pas des cadavres, que fait-on? On les plonge dans l'azote liquide. On remplace les liquides organiques par l'azote liquide. Et le processus comporte également la décapitation parce que c'est plus économique de conserver uniquement la tête et non tout le corps. On parle de céphalone pour utiliser une sorte de respect linguistique face à cette opération, mais au fond, ce sont des têtes décapitées. Alors, ces têtes occupent moins de place, bien entendu, que le corps entier. Et la plupart des transhumanistes ne sont pas intéressés, ne veulent pas revenir à la vie avec leurs corps qui auront peut-être vieilli. Donc ce que l'on veut faire, c'est faire une sorte de scan de l'esprit, du cerveau, et de le charger sur un système robotique pour le transférer. Donc c'est ce que veut faire le transhumanisme. Beaucoup se consolent en pensant, comme le disait le poète Philip Larkin, que ce qui restera de nous, c'est l'amour. Le transhumanisme nous offre quelque chose de différent, de moins abstrait. Ce qui survivra de nous, selon cette vision, ce sont les données. Ce qui restera de nous, c'est le code. On nous présente une vision du futur où notre esprit sera transformé en code 0-1, code binaire, qui transformera notre chair et notre sang qui seront chargés
transférer sur une plateforme, sur une machine. Ce concept de uploading, de transfert, est celui du transhumanisme par rapport au futur immortel post-humain. L'un des défenseurs des idées de transhumanisme est Ray Kurzweil, le directeur du domaine ingénieural à Google. Il a écrit un livre qui s'appelle « La singularité est proche » où il présente un futur proche. Il parle de 2045, où l'intelligence artificielle sera tellement évoluée, tellement puissante, que nous serons capables de transférer nos esprits, de les charger sur des ordinateurs d'intelligence artificielle et arriver à une libération totale par rapport à la biologie. Cela nous propose un futur dans lequel la technologie devient toujours plus petite et plus puissante. Et l'évolution deviendra l'agent essentiel de notre évolution en tant qu'espèce. Donc nous n'aurons plus avec nous des ordinateurs, mais nous aurons les ordinateurs à l'intérieur de nos corps, à l'intérieur de nos cerveaux, de notre sang. Et donc on changera la nature de l'expérience humaine. La vision de Kurzweil pour l'avenir intéresse, je pense, surtout les personnes qui se voient déjà en quelque sorte comme des machines, des personnes qui sont d'accord sur le fait que les pionniers de l'intelligence artificielle, Marx dit que le cerveau est simplement une machine de chair. Donc nous voudrions progresser dans nos fonctionnalités et atteindre ce que l'on appelle une condition surhumaine. Si nous voyons les machines comme un appareil construit pour accomplir une tâche particulière, disons que notre tâche en tant que machine est celle de penser et de calculer au niveau le plus élevé possible. Et cette vision très instrumentaliste de la vie humaine, dans ce cas-là, notre tâche est de potentialiser, augmenter notre capacité à calculer et de voir comment notre machine peut durer le plus de la manière la plus efficace possible. Je cite Kurzweil dans son livre. Nos corps biologiques version 1.0 sont très fragiles, sans parler des processus compliqués dont ils ont besoin. L'intelligence humaine est parfois capable de s'élever à des hauteurs vertigineuses dans son expressivité. Mais en grande partie, la pensée humaine dérive d'opérations limitées. Donc l'intelligence artificielle nous permettra de dépasser nos corps biologiques. Elle acquérera le pouvoir sur nos destinées et nous pourrons vivre aussi longtemps que nous voudrons. C'est différent de dire que nous vivrons pour toujours. Nous comprendrons ce qu'est le cerveau humain et nous en étendrons les capacités. Donc la partie non biologique de notre humanité sera des milliards et des milliards de fois plus puissante que l'intelligence humaine sans aide, sans auxiliaire. Kurzweil a pensé que cette idée pourrait supprimer notre humanité, effacer notre humanité, et que cela pourrait être l'affirmation maximale de ce qui nous a toujours définis comme espèce humaine, notre capacité de transcender nos limites physiques et mentales. Cette idée de nous transférer sur les machines a circulé depuis longtemps dans la science-fiction. Mais les personnes de la Silicon Valley y croient vraiment, ils le prennent au sérieux. Lors d'une conférence du transhumanisme dans la Bay Area, lors de mon travail sur le livre, on m'a présenté une collègue qui est une neuroscientifique qui s'est toujours intéressée à savoir comment télécharger le cerveau humain dans une machine, comment cela peut être possible. C'est l'une des personnes les plus intéressantes que j'ai jamais rencontrées. Elle est engagée dans un projet qui semble une folie, mais c'est un communicateur incroyable et quelqu'un de très charismatique. Et lorsque j'étais avec lui, je l'écoutais avec beaucoup d'attention, j'essayais de comprendre les choses techniques qu'il m'expliquait et je sentais que je comprenais quelque chose et tout à coup je faisais marche arrière parce que je pensais qu'il me parlait de quelque chose de totalement insensé, de totalement fou et que si on atteignait ce pourquoi il travaillait, on atteindrait la plus grande transformation de l'humanité et cela pouvait vraiment signifier la fin de l'humanité. Lui était très, très fort pour relativiser ses pensées. Il ne semblait pas s'intéresser de pensées apocalyptiques. Il en était même fasciné. Et lors de nos conversations, j'ai senti que c'était moi qui lui rappelais toujours cela. Donc, en quelque sorte, tout cela était peu important pour lui. Lui voulait trouver une solution scientifique à un problème qu'il avait clairement défini. Le problème dans ce cas, c'était l'incarnation de l'esprit humain qui était contenue dans un corps humain. Il se décrivait comme un architecte.
et il disait qu'il n'était pas impliqué dans le fait de faire des recherches, mais qu'il recueillait différentes parties de recherche dans la neuroscience et la technologie, ce qui l'intéressait pour pouvoir atteindre le brain uploading, le téléchargement du cerveau. Bien entendu, je simplifie de manière terrible et je peux m'en sortir en disant que c'est parce que j'ai peu de temps pour parler ce soir, mais le principe fondamental, c'est que toute l'infrastructure de la conscience, la décharge des neurones, la carte de connexion entre les neurones, toute la figure, la silhouette dynamique de l'esprit peut être représentée comme des informations. On peut tout réduire en quelque sorte à des données. Et les données peuvent être représentées avec un code et on peut l'extraire du hardware, du support sur lequel il circule, le cerveau, pour le transférer sur un autre type de support comme l'ordinateur. Il y a évidemment de grands doutes, un certain scepticisme sur le fait que cela puisse véritablement être possible. La plupart des neuroscientifiques et des chercheurs le voient comme une perspective très reculée. Mais certains pensent que l'on peut y parvenir. Mais au-delà de la faisabilité, il y a aussi une question philosophique parce qu'on se demande, l'esprit pourra-t-il véritablement être téléchargé sur une machine? Et dans ce cas, est-ce que ce sera vraiment nous, une sorte de machine jumelle identique? J'en ai parlé beaucoup avec ce scientifique. Il était aussi curieux que moi, mais il se concentrait beaucoup plus sur la question de comment on pouvait atteindre cela, plus que sur les implications philosophiques de la réalisation. L'une des idées fondamentales sur la réflexion sur ces technologies est l'obsolescence. Les scientifiques, lorsqu'ils parlent, les transhumanistes, lorsqu'ils parlent du corps humain sur lequel circulent nos esprits, ils en parlent comme d'une technologie dépassée. Nous sommes des machines qui sont désormais antiques, dépassées. Elles ont été projetées pour vivre dans la savane africaine il y a 2000 ans et aujourd'hui, elles ne sont pas suffisamment mises à jour pour vivre le monde actuel. Donc, en quelque sorte, la chair est un format mort. Donc, c'est le concept, ce concept du corps humain comme une technologie obsolète est un peu étranger, inquiétant, une manière inquiétante de penser à la vie humaine. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en y pensant. Et parfois, je le pense encore. Mais si nous y réfléchissons en termes d'anxiété que nous avons face aux technologies, face à notre fragilité humaine, cela commence à prendre sens. L'une des grandes ombres de la crainte, des incertitudes qui concernent notre époque est l'automatisation qui vient vers nous. Il est difficile d'exagérer lorsque l'on parle de la portée des bouleversements socio-économiques que l'IA apportera. Beaucoup d'emplois des secteurs entiers de l'économie pourraient devenir obsolètes. Et de plus en plus de domaines de compétences pourront être remplacés par les machines. Nous vivrons de plus en plus dans un monde gouverné par des systèmes que nous avons du mal à comprendre. Au niveau les plus élevés, les bourses fluctuent en fonction des caprices des algorithmes, ou bien nous avons les entrepôts d'Amazon où on a les casseroles à côté des livres, à côté des jouets pour les enfants, etc. Un système qui n'a pas en soi de sens pour les logisticiens qui doivent placer les objets. Mais ce système a du sens pour l'algorithme qui décide de l'emplacement des objets dans les étagères. De plus en plus, beaucoup de choses n'ont du sens qu'avec l'aide des machines. Quand est-il possible qu'arrive cette fusion entre l'homme et la machine ou que l'on vive dans un monde où l'IA nous fournira tous les instruments pour dépasser la condition humaine? À partir de ce que j'ai dit ce soir, vous comprenez bien que je suis sceptique par rapport au transhumanisme et à ses présupposés. Je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un futuriste. Je ne suis pas quelqu'un qui a la présomption d'être un expert dans ce domaine, mais j'ai passé quelques années au contact avec des personnes qui sont très impliquées dans cette vision du futur. Mais je trouve difficile d'imaginer que la singularité, cette particularité, cette fusion qu'imaginent les scientifiques entre la machine et l'homme, je n'ai jamais pensé que mon livre puisse parler de l'avenir avec un A majuscule. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir en tant qu'imagination, comme cauchemar. Ce qui m'intéresse, c'est ce que cela peut dire par rapport au présent. Le transhumanisme propose une vision de changement imminent de la condition humaine. Cette vision est presque apocalyptique.
L'extasie d'Einherd, comme on en parle parfois, est la fin de l'humanité telle que nous la connaissons. C'est quelque chose d'étrange, de nouveau. Et pour ceux qui y croient, c'est quelque chose de totalement fabuleux. Mais les visions apocalyptiques nous disent toujours plus par rapport à l'époque où elles ont été écrites que par rapport à l'avenir. Le livre de l'Apocalypse, pour parler d'un exemple célèbre, nous dit beaucoup plus de l'époque de bouleversement, de violence et de persécution religieuse dans lequel il a été écrit que ce qu'il peut nous dire du futur. Et je pense que la singularité et l'idée d'une fusion entre l'intelligence humaine et l'intelligence des machines nous dit beaucoup plus du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui que cela peut nous dire du futur. L'un des transhumanistes que j'ai rencontré lorsque j'écrivais mon livre m'a frappé par une question qu'il a posée. C'était le soir, nous prenions une bière ensemble, nous parlions de l'avenir, et il a pris son iPhone en main, il l'a tourné vers moi et il a dit: mais si on vivait déjà dans l'individualité, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup pensé, parce que l'individualité n'est peut-être pas rien de plus ni de moins qu'un mythe par rapport au présent, une histoire complexe qui illumine ce que sont déjà les choses et ce qu'elles ont déjà toujours été. Parce que pour parler de la fusion entre l'homme et la technologie, il faut parler des êtres humains, parce que on ne peut pas commencer à définir ce qu'est un être humain sans parler de la technologie. Nous sommes devenus des êtres humains quand nous avons commencé à utiliser des instruments. L'individualité a commencé quand le premier homme néolithique, peut-être, a utilisé un instrument pour frapper un autre ou pour frapper un caillou et allumer le feu. Ou bien, chaque fois que le téléphone vibre dans notre poche pour une notification, ou bien lorsque nous circulons dans une ville avec un GPS, grâce à un satellite qui est en orbite autour de la Terre. C'est peut-être une allégorie incroyable de quelque chose qui est déjà arrivé, qui s'est déjà produit. Donc la singularité, en d'autres termes, est peut-être déjà là. Capite perché. Vous comprenez pourquoi je lisais au début, parce que c'était fascinant et inquiétant à la fois. Mais le problème, c'est vraiment ce que Marc disait maintenant. Cette course vers l'avenir, qu'est-ce qu'il nous dit pour le présent maintenant? Cette dynamique pour laquelle on tend à éloigner nos limites et aller encore plus vers le paradoxal résultat de transformer l'humanité, de la transformer en autre, nous interroge sur qu'est-ce que c'est l'humain aujourd'hui, ce facteur humain, qu'est-ce que c'est notre connaissance, notre liberté, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a d'humain ici? Et c'est vraiment la question d'un million de dollars qu'on pose à Costantino Esposito. Je crois que l'intelligence artificielle soit un défi dont on doit vraiment prendre en évitant de réactions assez standards. La première est la réaction selon laquelle l'intelligence artificielle serait un destin victorieux de notre raison. Au fond, le rêve de chaque rationalisme se réaliserait, celui de non seulement recevoir les données de la connaissance, de le reconnaître, mais de le recréer aussi. À vrai dire, la pensée humaine est toujours un peu artificielle. Cela n'existe pas une intelligence purement naturel, parce que notre intelligence est un rapport, cela entre dans les choses, elle les modifie, elle les fait modifier, muter, et c'est un rapport, et dans quelque manière c'est artificiel, et non dans les termes robotiques, mais dans le sens d'interaction. Et quand le grand Thomas d'Aquin disait que toute chose qui est reçue par notre âme, par notre esprit, est reçue selon la manière, selon la forme de celui qui la reçoit. Donc, même en recevant le monde,
nous, naturellement parlant, nous sommes toujours dans la construction. On y met toujours de notre gré. Mais ici, on parle d'autre chose. On parle pas de cet emphatique enthousiasme sur le fait que le IA serait l'irréversible destin glorieux de la raison. C'est-à-dire que la raison puisse être, dans quelque sorte, ex nihilo. Donc, du rien, créer son propre objet. Donc, ne plus partir de quelque chose qui est donné, mais au contraire, créer une donnée à partir de la simple information qu'on n'a pas. Et en quoi cela consiste, cette information? Quelle était l'ambition de tout scientifique? On parle des choses dont les philosophes ont découvert depuis longtemps. Penser comme Hobbes parle de la raison comme calcul. Ou de la possibilité que Leibniz avait pensé d'une langue universelle faite par des signes. C'est-à-dire l'idée que l'être donné du monde on peut être résolu seulement à travers l'idée de la pensée. Et l'être des choses consiste dans la manière d'être pensé sans contradiction par rapport à d'autres possibilités, à d'autres possibles. Dans la pensée humaine, on peut trouver la clé pour expliquer la donnée, l'être. Mais cela crée un problème. Et Daniel en a parlé déjà quand il a dit il y a quelque chose qui n'est pas clair au calculateur, c'est-à-dire l'intuition. Ou quand Marc, de manière philosophique, disait le problème de cet uploading de l'esprit dans la machine, mais alors en devenant machine, qui devient quoi? Quel est le sujet de changement? Une nouvelle identité? Un avatar? Une fiction? Un simulacre? Quelle est la fin de l'identité naturelle qui devient purement machine? Je voudrais poser ainsi ce type de problème. C'est-à-dire que ce processus de calcul du monde, calculabilité du monde, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, identifie le je comme une fonction des informations. Je ne suis pas en train de dire que le moi n'est pas capable de gérer les fonctions cognitives. Je suis en train de dire seulement que dans ce cas, la fonction cognitive est telle qu'elle n'a plus besoin d'admettre ou de postuler l'existence d'un moi qui pense, d'un moi intelligent. C'est comme si une capacité du moi éliminait le sujet de la pensée. Cela amène à la deuxième réaction commune qui est un peu symétrique par rapport à la première. La première était un enthousiasme inconditionné et certains entre les transhumanistes dont Marc parlait était encore un peu dans la science-fiction, mais comme expérience mentale, elle est intéressante. Et la deuxième position serait celle, selon une autre parole que Marc utilisait, c'était celle de considérer comme un cauchemar, donc l'IA comme un cauchemar, une prétention qui fait peur.
pas seulement des perles inévitables, des cages où on est déjà dedans, dont on parlait avec Daniel et déjà, donc le fait qu'on est déjà nous les produits, c'est nous à payer en donnant nos informations, en incrémentant la capacité des données pour utiliser et orienter et pour implanter dans notre cerveau certains besoins. Mais encore plus, le fait que nous devenons en quelque sorte inutiles et la puissance de ce que notre pensée a produit est tellement grande que le produit de notre pensée rend superflu la chose pensante. C'est-à-dire, la chose pensante est réduite à une procédure, à un processus, à une capacité de calculation. En lisant le livre de Marc, pour être une machine, c'est intéressant de voir comment les vieux auteurs, les anciens auteurs reprennent une erreur philosophique, c'est-à-dire que notre intelligence pourrait, selon eux, devrait, selon eux, être implantée sur un support différent de notre chair, de notre corps et aussi de notre cerveau. Parce que de cette manière, cela pourrait marcher, cela pourrait fonctionner comme programme, comme software, sur un hardware bien plus adapté que notre corps, que notre chair, que notre carcasse. Et cela, je le pensais à travers la lecture de ces auteurs. Qu'est-ce que c'est l'individu, notre moi, notre corps? Et le fait que notre intelligence soit toujours invalide, encharnée, qui constitue l'irréductibilité de chacun d'entre nous. Mais dans le moment, du moment où chacun d'entre nous comprend que notre intelligence est importante et peut faire un moins de notre corps, c'est un cauchemar. Il me semble que ce n'est pas l'enthousiasme ni la peur, ni l'enthousiasme ni la peur soient des approches adéquates aux problèmes dont on parle. Parce que au fond de cela, ces aspects ne nous permettent pas de comprendre le problème. Tout le monde, on est enthousiaste de cette possibilité parce que de cette manière, on est déjà le destinataire et les victimes aussi de cela, même si parfois on ne s'aperçoit pas. Et beaucoup d'entre nous, on avertit l'inquiétude de ces cauchemars. Et la voie pour dépasser cette alternative, l'alternative qui me semble la plus pratiquée dans la littérature philosophique contemporaine, serait celle de penser une éthique de l'intelligence artificielle. À savoir, étant donné qu'il y a cette possibilité extraordinaire de développement de nos connaissances calculantes, à partir de la puissance du calcul de notre pensée, donnant une règle morale et pensant à une bonne morale pour les machines qu'on veut construire. Parce que même les machines doivent soustraire à ces limites, doivent se soumettre à ces limites. Et je pense que ces préoccupations, qui sont tout à fait légitimes, doivent nous faire voir que la première question est une question de type cognitif. Parce que paradoxalement, le problème de l'intelligence artificielle, comme le disait déjà Daniele, nous oblige à comprendre ce que c'est une intelligence tout court, une intelligence naturelle. Et une collègue qui enseigne l'intelligence artificielle dans une université italienne me disait que l'un des problèmes les plus avertis avec ses étudiants, c'était pas celui de
donner par gagné une notion de connaissance. Parce que le problème d'intelligence artificielle n'est pas l'artificiel, mais c'est l'intelligence même. Le problème, c'est l'intelligence, à savoir qu'est-ce que c'est critiquement l'intelligence. C'est quelque chose qui vient avant de l'artificiel. Donc, les cauchemars et les succès de l'intelligence artificielle viennent avant, et c'est le devoir que notre temps nous donne à penser. Et cela nous contraint à réouvrir le problème, à ne plus le nier par acquis, à comprendre qu'est-ce qui se passe quand on utilise l'intelligence. Et donc la question, je dirais, pardonnez-moi, de manière élémentaire, nous devons assumer l'artificiel, c'est-à-dire la capacité à calculer comme les critères définitifs de la connaissance humaine. Parce que, étant donné que le progrès va de ce côté, ça veut dire qu'il y a l'accomplissement de l'intelligence humaine, ou vice-versa. Il faut qu'on recherche dans la structure élémentaire de l'intelligence, c'est-à-dire dans notre façon d'être au monde, d'être intelligent, qui demande la signification des choses, qui demande le pourquoi des choses, et qui ne s'arrête pas, et qui peuvent encore connaître des choses, non pas parce qu'ils savent beaucoup de choses, parce que on peut savoir beaucoup de choses, mais connaître pas beaucoup de choses, parce que on sait ce qu'on connaît juste quand on intuit, juste quand on perçoit la signification. Si on comprend le lien entre moi et ce sujet, et j'aime me référer à un collègue bien plus important que moi, Cartèse, que en 1600, en écrivant la philosophie, il fit la plus grande expérience mentale. Et si tout le monde, si tout soit un rêve, et si même notre corps soit un rien, mais quelle était la stratégie de Cartèse? C'était d'amener à l'extrême le doute pour pouvoir vérifier s'il y avait quelque chose qui restait au-delà de doute. Une stratégie pour nous pouvoir réapproprier des données de notre connaissance. Et si même les extrêmes capacités performantes de l'intelligence artificielle jusqu'aux théories des transhumanistes étaient interprétées comme une expérience mentale et non pas comme un projet de réalité, mais comme une expérience mentale qui nous oblige à comprendre la chose la plus simple, c'est-à-dire qui est qui pense, c'est qui a pensé. Merci. Je suis très reconnaissant de nos invités parce que c'était un défi qui n'était pas simple, mais je crois que nous repartons d'ici avec plus de clarté, quelque chose, une idée plus précise. Mais je crois surtout que, comme le disait Costantino, face à ces thèmes, nous pouvons soit prendre peur, élever des murs, penser qu'il s'agit de science-fiction ou de sujets qu'il faut fuir, ou bien penser que c'est quelque chose qui concerne le futur, ou encore accueillir la possibilité qu'il porte, que portent ces questions, ces interrogations, nous laisser interroger, essayer de comprendre. Et si nous avons cette attitude, alors ces grands pas historiques qu'ils ont à peine évoqués par nécessité, mais qui seront développés dans d'autres moments du meeting, je pense aux rencontres que tiendra la Compagnie des œuvres dans son stand, je pense à la rencontre de mercredi matin avec Padre Benanti sur ce thème. Ces grandes questions que nous venons d'évoquer sont une aide aujourd'hui
pour mieux comprendre qui je suis. Quel est ce facteur irréductible qui reste au cœur de cette course, de cette dilatation d'une connaissance qui n'arrive pas à tout expliquer de moi? Une capacité de calcul, de puissance et de faisabilité qui n'arrive pas à tout expliquer de moi, qui ne rend pas raison de l'intuition dont parlait Daniele tout à l'heure, qui n'arrive pas à expliquer le contre-coup qu'a eu Marc face à son fils qui venait de naître et qui a engendré tout le parcours qu'il a réalisé. Ces thèmes que nous affrontons peuvent être une aide énorme pour découvrir, pour mieux découvrir, pour mieux prendre en compte ce facteur irréductible qu'est notre moi, notre humanité, qui est rapport. Ce n'est pas quelque chose qui peut tourner internellement sur elle-même. Et je crois que l'on le comprend très bien dans l'intervention de Costantino Esposito. Donc si nous partons d'ici en comprenant mieux ce qu'est ce meeting, c'est-à-dire la découverte de ce qui me fait être moi-même, parce que je ne vis pas dans un monde qui peut se passer de ma présence, de même que je ne peux pas faire abstraction du fait que ma réalité m'est donnée. Donc les séjours vont être l'occasion d'approfondir ce thème. D'où naît mon humanité? Donc ce que nous souhaitons, c'est de vivre cette semaine en ayant à cœur nous-mêmes, participer aux expositions et rencontres en ayant en nous cette question sur nous-mêmes, parce que ça peut être une occasion de grandir. Et pardonnez-moi de me permettre de vous le dire, mais dans ce qui n'est pas superficiel, le meeting en fait certainement partie. Donc je me permets de vous rappeler que si le meeting existe depuis 40 ans, c'est grâce à la contribution, au travail, à l'abnégation, à la disponibilité des bénévoles, des personnes qui le font et des personnes qui l'aident, qui le soutiennent aussi. Et je vous demande de collaborer activement à cela parce que vos donations, vos dons sont essentiels pour permettre à un lieu comme celui-là de se prolonger. Donc, si c'est possible, je vous demande un geste de responsabilité en ces jours où vous êtes ici au parc d'exposition. Vous verrez des stands qui s'appellent Dona Aura, avec un cœur qui les distingue et qui donne la possibilité à chacun d'entre nous de contribuer pour permettre à un lieu comme celui-là de se prolonger, qui permettent de se poser des questions comme celle-là et qui nous aident à nous découvrir nous-mêmes. Donc, je vous demande de prendre en compte cette possibilité cette semaine et je vous remercie d'avoir participé à cette rencontre en vous souhaitant un excellent meeting à tous. Merci.